Eh bien, salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? Donc écoutez, je voulais vous expliquer un truc. Ce sera une vidéo très courte de Grande Conquête, non pas parce que j'ai ragé ou que j'ai pété un plomb sur le jeu, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, c'est que je suis arrivé dans une partie qui avait déjà commencé. Du coup, j'ai fait bon, une assez bonne partie, j'ai pas fait trop négatif, je m'en suis plutôt bien sorti. Le seul problème, c'est qu'après, j'ai enregistré donc la petite partie que j'ai faite, j'ai lancé la partie, j'ai continué avec le groupe. Et du coup, j'étais en 23-0 en fait. Et tout simplement, eh bien, il m'arrive une erreur d'application, en sachant que c'est 25-0 pour faire la nucléaire. Du coup, je sais pas si en Grande Conquête ça compte, mais je sais qu'en tout cas, ça m'a bien pété les couilles, 23-0. Et que ça m'a fait erreur d'application. En fait, j'ai lagué et ça m'a fait directement erreur d'application. Donc, du coup, vous aurez que ce petit bout-là parce que je me sentais pas de rejouer. Ça m'a un petit peu gavé, un petit peu cassé les couilles, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit bout de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à balancer un petit pouce, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao, ciao. Salut YouTube, salut les abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Modern Warfare, le dernier sur la bêta, et nous partons en guerre terrestre. Donc, guerre terrestre, c'est quoi? C'est tout simplement l'équivalent de Grande Conquête de Battlefield, sauf version Call of Duty. Les cartes, pas aussi grandes, un peu plus petites, mais tout aussi intéressantes. Vous voyez, vous avez les points à capturer, et c'est du feu de Dieu, ça, c'est très sympa. Lui était très nul, c'est très sympatoche. Je préfère sur Call of, sans être méchant, que sur Battlefield. C'est très bizarre à expliquer. Donc il y a pareil, des tanks, des quads. Les killstreaks sont comptés dedans, bien évidemment. Lui il campait là parce qu'il a pas de couilles. Voilà, donc le mec il est là, viseur fixe comme une petite mouette. Oh putain, le noob quoi. Bon, ça c'est comme dans tous les trucs, hein. Grande Conquête sur Battlefield, c'est pareil. Voilà, donc c'est plutôt sympatoche. Mais si vous croisez un croiseur ennemi, vous voyez, il y a des mecs par-ci par-là. Là, il y en a un par là, dans le coin. Voilà, on va essayer d'aller se le faire, lui, c'est pas sûr qu'on y arrive. Ah, si on est arrivé, alors les petits Français, pourquoi tu capais là? Là, on va arriver, on va poser ça parce que lui, il a dû me voir en haut. J'attends un peu. Je me souviens un peu. Voilà, il s'est bouffé ma mine. J'avais prédit qu'il serait par là. Il y en a là-bas. C'est quoi qui m'a tué? C'est l'avion, c'est ça? Ah ouais, j'ai pas entendu qu'il y avait l'avion. Ah, j'avais le... Ah ça, il faut que je le pète, ça. Je crois que j'ai pas le roquette sur cette classe. Non, j'ai pas le roquette sur cette classe. Ça, c'est grave la merde. D'accord. Si tout le monde tire dessus, normalement, ça devrait faire l'affaire. Voilà, bien avec ton roquette, mec. Bien. T'as un tank, toi, tu peux pas tirer là-dessus. Allez, bordel de merde. Voilà, dégage. Merde, je tire plus de munitions. Oh putain, bon, on est au pistolet. Le temps qu'on tue un mec, qu'on puisse y prendre son arme. Ça, c'est complètement rigolo. On a eux à récupérer. Ah, il y a une arme. Voilà. Ah putain, la MP5. Elle me convient pas trop, la MP5. On va faire avec. Il y en a un sur le toit, je crois. Ah ouais, il est sur le toit. On va essayer de s'enfuir. Bombardement de précision allié imminent. Faites attention. Missile de croisière allié lancé. Il est allé où, lui? On va prendre le point écho. Putain, j'étais persuadé qu'il y en avait un en haut. Hein. Drone allié dans la zone. En de base, il y en avait bien en haut. Les... Ah, là, il y en a un là. Wouah, il m'a espanté lui. Allez, on va sur eux. Si on a le temps. Yes. Yes. On reste pas beaucoup de balles non plus. Drone ennemi au-dessus. Salut. Ah, c'est lui, c'est un collègue. Et il est encore monté en haut l'autre. Hein. Je sais pas où il campe, mais il est dans le bâtiment qu'on venait d'aller à eux. Nous, le mieux, c'est qu'on aille à D. Pour capturer Delta. On a besoin de vous au point C. Merde, le bâtard, il était mort lui normalement. Ok, donc on a un parachute, ça c'est intéressant. Je viens de voir un mec avec un parachute, ça je savais pas. Tout à l'heure j'ai sauté et... Je savais
savais pas qu'on avait un parachute. Donc c'est vraiment comme Battlefield. Vite, motte, motte, motte. Soigne-toi un petit coup. Ouais, petite merde, va. Tapette de Noël, va. Ça, on récupère au cas où qu'on soit dans la merde. On va aller sur B. Voilà. Oh le mec, putain, je tire à côté. Je suis sûr que je le baisais lui. Et le mec, il savait que j'étais là, hein, mort de rire. Hein. Il savait que j'étais ici. Lui. What the fuck? Il y en a un au-dessus. Petite merde italienne, va. Oh putain, je suis con carnet. Aidez votre équipe au point Charlie. Drone radar ennemi dans la zone. Il suit quelqu'un. Drone ennemi au-dessus. Ah putain, il est caché là, la petite salope. Lui, depuis tout à l'heure, il se cache dans les coins comme ça. Comme une biatch. Drone ennemi au-dessus. Allez, nique ta mère. Drone allié dans la zone. Balayage en cours. Waouh, 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 waouh. Il m'a tiré de là-haut, le mec. On se dirige le point Charlie. Allez, les gars. Oh, bravo, pas sûreté. On a capturé le point Charlie. Merde, c'est pas avec nous, le tank. Oh putain. Les munitions. Yes. C'est stylé parce que Call of Duty a une fluidité inégalée, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à présent, personne lui arrive à la cheville au niveau de la fluidité. Oula, on va louper. Je pensais qu'on pouvait monter là-haut, mais pas du tout. Parce que je sais qu'il y avait des mecs sur les toits tout à l'heure, et du coup. Il y en a un qui va me grimper dessus. Drone allié dans la zone. On sécurise le point B. On a le contrôle. Alors on a juste à tenir un peu. Drone allié dans la zone. Voilà. Oh merde, putain. On a le contrôle. Ouais. Un drone radar est prêt à vous escorter. Missile de croisière ennemi, à couvert. Oh putain! Quand on passe à étant comme ça, ça donne pas envie, les gars, je vous le dis. Hein. Il y en a un haut au-dessus. Ah bah, victoire! Victoire pour le peuple! 250 à 52. Ça c'était bueno, c'était Buenos Aires même. Le radar personnel est à sec, on le fait rentrer. C'est fait une partie drôlement intéressante celle-là. Bon là le chargement, putain finalisé. L'autre il a pop dessus normal, ça m'éclate ça. C'est vraiment comme Battlefield après, les mecs on peut pop dessus, si vous êtes en escouade, et ben voilà, vous pouvez pop sur vos collègues, c'est vraiment stylé ça par contre. Après, c'est pour moi, c'est vraiment ça, la guerre terrestre, quoi. Parce que dans les anciens Call of, la guerre terrestre, pour moi, ça ressemblait pas à une guerre terrestre. Pour moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai de la guerre terrestre.